n'y a personne, pas même les deux lions et la jolie licorne qui mangeait du pop-corn. Qu'est-ce que tu choisis? Le cœur bleu? Oui. C, D, E, F. Monsieur Poisson, est-ce qu'on peut traverser la rivière, s'il vous plaît? Qui garose? Si tu as du rose. Qui garose? Qui garose? Vous pouvez y aller. Que tout à coup, ba-da-boum! Alors, les Blancs débarquent à Sainte-Suzanne. Oh! Blanco, Blanco! Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la main devant. Je mets la main derrière. Je mets la main devant. Je fais le coup de pied. Alors maintenant, on va faire le tour de l'endroit Iratable où on habite là, pendant notre séjour à Haïti. Fait que suivez-moi, je vais faire le tour du proprio. Ici, dans le fond, il y a quatre bâtisses à Iratable sur le site où on est. On va aller visiter en premier les cuisines où les employés d'Iratable sont hébergés. On voit ici l'endroit aussi où on fait cuire la nourriture, qui est excellente. L'endroit, c'est notre salle à dîner.
C'est aussi l'endroit où on fait des réunions, où on accueille les enfants, où on accueille aussi les enseignants, quand on se fait on donne des petites formations. Fait que ça ici, ce qu'on voit, c'est les panneaux solaires, parce que Iratam a l'électricité grâce à ça. L'endroit, ben, le bureau et les responsables d'Iratam qui sont hébergés ici. Et la dernière bâtisse, c'est où les étudiants et les enseignants ont été hébergés. Alors, je vais vous faire visiter deux chambres. La première. OK. Ici, on va ouvrir la lumière. On va aller visiter la chambre du fond. Maintenant, la salle de bain commune pour les 14 personnes de notre groupe. Ici, c'est l'endroit pour se reposer, pour relaxer, pour faire sécher notre linge quand il y a du soleil. Pour montrer le système pour l'eau. Pour nous, c'est pas de l'eau potable, mais pour les gens des Ratam, les Haïtiens, oui. Alors ici, on a la pompe. Le bidon noir que vous voyez, c'est que l'eau est pompée en haut. Et après ça, pour alimenter les 4 maisons, elle descend à cause de la gravité. Et c'est ça qui alimente les douches, les lavabos. Alors voici, on a fait le tour des Ratam. Qu'est-ce qui t'a le plus touché en Haïti? Bien, c'est de voir les enfants, dans le fond, qui sont tellement émerveillés de nous voir. Leur accueil chaleureux. Dès que tu vas dans le village, tout le monde sont après toi, tout le monde te touche. Tout le monde te dit bonjour, il n'y a personne qui t'ignore dans le village. Quand la mère à Athènes, elle nous a demandé de le rapporter au Québec, tu sais, j'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, elle aime tellement que, genre, elle est prête à le laisser partir au Canada. Puis ça, ben, ça m'a touchée, je veux dire. Tu sais, si une personne, il restait peut-être juste un biscuit, ben, elle était prête à nous l'offrir, juste parce qu'on était des amis, puis on faisait partie de la famille. Fait que ce qui m'a touchée vraiment, c'est la générosité des gens ici. Qu'est-ce qui m'a le plus touchée? Je te dirais le salaire des professeurs. Qu'est-ce que tu veux dire par le salaire? Ben, qu'ils étaient sous-payés, là, carrément sous-payés. Okay. Je dirais, je pense, les commentaires des professeurs quand on les a rencontrés, puis... Le professeur, en fond, qui parlait le plus, qui nous touchait le plus, qui nous dit de prier pour eux, pour que ça change. Ici, les gens se définissent par ce qu'ils sont et non par ce qu'ils sont. Je pense que c'est vraiment de voir que nous, on a vraiment beaucoup d'argent, on a tout ce qu'on veut, puis même avec tout ce qu'on a, on dirait qu'on n'a jamais assez. Puis qu'eux sont capables d'aller chercher vraiment la base, tu sais, l'amour, toute la générosité. Ils ont vraiment beaucoup de plein de belles qualités, dans le fond, que nous... On n'est même pas capable d'avoir avec tout ce qu'on a. On dirait qu'on s'éloigne tellement de l'humain, de ce qui est important. À ton retour au Québec, qu'est-ce qui va avoir changé en toi? Je pense que ça paraît de rien, mais ça a vraiment changé ma façon de voir la vie. Puis à l'avenir, je vais être une personne qui est moins égoïste. Je vais pouvoir voir que, même si des fois on chiale parce que soit qu'on n'a pas... J'ai pas tout ce qu'il me faut, j'ai pas mon beau linge, j'ai pas les belles accessoires, la plus belle maison. Mais au fond, on peut se dire qu'on a tout pour être heureux, on a notre famille, on a de l'eau potable, on a quelque chose à manger. Ben, je pense que je vais être plus ouvert à tout, comme juste... Je me considérerais pas comme quelqu'un de raciste, mais quelqu'un de fermé aux autres races. Fait que je pense que ça va m'aider à être plus ouvert à ça. Puis aussi être plus ouvert à tout, puis être moins critique de ce que j'ai. Puis nous, on est tout un tout, puis on est en train de survivre. Apprécier ce qu'on a dans le fond. Bien, une nouvelle vision de la vie. Parce qu'on est toujours avec. Tu sais, quand on voit pas alentour de nous, quand on reste dans notre petit cocon, on peut pas voir ce qui se passe ailleurs. Puis quand on va ailleurs, c'est là qu'on peut réaliser les choses qui sont différentes. J'ai appris beaucoup sur leur culture, mais j'ai aussi appris beaucoup sur moi. Ce voyage-là, ça m'a vraiment aidé à me connaître davantage puis à grandir en tant que personne.